Après mon 8e divorce, j'ai résolu de me peindre en vert, me fondre dans la nature. Ne pas effrayer ces espèces de langoustines arboricoles. Pareil que ça sert à faire des médicaments. Comment t'as grimpé ici? Tes parents? Où ils sont? Tes parents? Tu vois vrai? Qu'est-ce que tu dis? J'ai froid. Oui, c'est ça, j'ai froid. Dis pas que t'es monté à pied. T'es tombé d'un avion. Allez. Hop là. Ah. Attention, glisse pas. T'es française? C'est ça? T'es perdue, hein? Et vous? Et tes parents? Ils savent que t'es perdue? Et vous? Et moi quoi? Vous êtes perdue? Non. Non, je suis pas perdu. Comment ça se fait alors? Comment ça se fait quoi? Qu'on n'entende pas de voiture. Je croyais que vous étiez envahi de voitures, que ça devenait irrespirable. Qu'est-ce qui se passe? C'est la journée vélo? Me dites pas qu'on n'est pas à Central Park. Oh, allez, d'accord. Descends doucement, tiens-toi bien et regarde pas en arrière. Ça va? T'as pas peur? Et vous? Non, écoute, si tu peux éviter de me dire et vous à chaque fois que je te demande quelque chose. Pourquoi? Pour rien. Vous êtes malade, non? Non, pourquoi? Ben, vous êtes drôlement vert. Tout le monde est vert ici? Ah bah non, ils sont pas verts, eux. ¿De dónde ha venido esta chiquilla? ¿Es tu hija? Claro que no. ¿La viste subir allá arriba? No. ¿Seguro? No me he movido de aquí en toda la tarde. Me fumé un tabaco. Moi non plus, hein. Je sais pas ce qu'elle fout ici. Explique-moi maintenant ce que tu fais au milieu de la jungle. T'es française ou t'es pas française? Et vous? Je suppose que t'as faim. Et vous? Oui. Je trouve que vous êtes mis en pas vert. Au moins, vous faites propre. Vous habitez ici? Vous habitez tout seul? C'est parce que personne ne veut habiter avec vous. C'est quoi? Moi et ma grand-mère. Ça, c'est vous? Bah, dis donc, vous vous êtes pas arrangé, hein. Merci.